Merci pour fidélité au ATNH dans affaires information. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mitan Journal. Tout de suite, nous recevons la collaboratrice, nous, Madame Selom, pour toute nouvelle sous condition temps. Bonsoir Nicole. Salut à tous et avec un peu de plaisir, nous retrouvons aujourd'hui pour page météo qui est en condition. Mais nous allons tout de suite se passer avec différentes images nous pour nous qui j'en saye. Caraïbes S, là, il y a un mauvais temps qui chita sous lui. C'est une zone la plus désorganisée en raison d'un onde tropicale qui a interagi avec un talvegue en altitude. On s'est situé au niveau canal de la Mona. Et zone de mauvais temps, ça, il n'y a pas approché au niveau pays d'Haïti d'ici fin journée. Qui ça nous a pas tant? N'a pas tant d'activité la pluie avec l'orage sur presque tout pays, hein? Spécialement au niveau région frontalière, là, donc toute zone qui borde entre Haïti et Saint-Domingue, donc a pas affecté avec la pluie avec l'orage ça. Département sud-est, sud, Grand-Est, également l'ouest, la Tibonite, nord et nord-ouest, même le plateau central a touché avec activité la pluie et puis l'orage n'en fait journée voire à soir et même pendant journée de mai et de la soirée. Donc par rapport à la situation ça, on a demandé à tout le monde qui vit dans une zone à risque inondation pour prendre un pile précaution parce que depuis de parler de la pluie en Haïti, donc il faut que nous soyons vraiment vigilants par rapport à la situation qui a traversé le pays à partir de jeudi jusqu'à vendredi. Capitale, donc Port-au-Prince avec les gens qui sont sous côté de l'eau, ont très beau temps avec quelques petits bougeonnements de nuages, mais n'a pas tant d'ici après-midi, tant ça, il pourra le gâter avec activité la pluie et l'orage au niveau capitale. Température maximale n'a pas monté plus haut que 32, minimale la descend jusqu'à 21 pour assoyer, donc n'a pas tant une nuit réellement fraîche au niveau Port-au-Prince. Et demain matin, nous avons toujours levé avec un temps qui est plus ou moins ensoleillé, mais n'a toujours gagné un temps qui est vraiment maussade au niveau pays d'Haïti pour demain. Si bon Dieu voulait. Dans la page maritime, au niveau côte nord, vent souffle très fort jusqu'à 20, le vague monte jusqu'à 8 pieds et n'a pas de phénomène qui est les grêles. Donc c'est forte avec la pluie, avec vent qui bouche visibilité. Hein. Donc pour les gens, ça, au niveau côte nord, là, mais là, il est réellement impraticable à partir à soir jusqu'à nouvel ordre. Donc n'a pas demandé capitaine, pour être très prudent si toutefois vous avez besoin de fréquenter côte nord là, à partir à soir, voire demain matin. Au niveau côte sud, là, c'est encore pareil, c'est des vagues qui montent jusqu'à 6 pieds. Donc son mer qui est réellement agité et golfe de la Gona va partir à soir à vague monter jusqu'à 5 pieds encore mais là il est réellement agité au niveau tout côté présence n'a demandé à capitaine yo pour très prudent les fréquenter là mer là pendant à soir demain et jusqu'à vendredi. Pour nous finir la page astronomique là le soleil a couché sur Port-au-Prince c'est 5h54 et il a levé demain matin à 5h14 au niveau Port-au-Prince. C'est un réel plaisir pour m'être avec nous pour information ça yo. Merci en pile pour attention nous. Bon après-midi. Excellente soirée et à très bientôt. Merci Nicole et bon après-midi à ou même tout. L'actualité à travail infrastructure avancé dans ville Jérémy. Plusieurs zones dans cité Poetio, Tankou Karakoli, les gagnants déjà bénéficié travail infrastructure dans cadre caravane changement. Brunel Jean-Louis et Hervé Pierre a présenté un compte rendu. Élargissement, terrassement, trottoir, imprégnation. Ces diverses phases plaisir dans la ville Jérémy déjà subi dans le cadre de travail infrastructure routière qui a fait dans la ville ça. Citoyens remercient l'administration Moïse et le gouvernement Séan pour le travail ça. Pendant qu'ils ont encouragé le finissement de travail, et puis demandé aux autorités concernées continuer avec le programme social qui visait à améliorer chaque jour les conditions de la vie de la population. Équipe qui travaille président, y compris président, nous félicitons pour ça faire. Mais le mandat tout, plus volonté. Nous tout profiter d'appeler ça pour demander une route pour faire Jérémy à l'abricot. C'est une route ça qui va aider le département là, pour manger. Nous n'avons plus manger comme Caspire le département. Nous n'avons pas de mots pour nous remercier le gouvernement pour ça le faire pour nous. Parce que longtemps, les nappes montées là, sont corvées. Moi-même, la machine m'a gagné sans bâme de quitter. Et qu'on y a, grâce à travail ça, nous montons à l'aise, nous descendons à l'aise, et nous disons, qu'est-ce que pas la et pas quitter l'intimidation, changer lui, pour ne pas faire ça l'affaire, parce que le peuple est avec lui, le monde est accueilli avec lui. Le travail qu'a fait là bien, bon, parce que nous n'avons pas de route, nous avons une route, faire un petit peu de temps en temps, pour faire un petit bout de béton. Quand il y a premièrement Élise vini le craser, nous avons 5 petits bouts de béton. Élise vini le craser, fini fin qu'elle craser tout caille, ça a une grosse qualité, l'autre un bout dans chaque caille. Après ça, il quitte route là, il va faire un là-dedans.
qu'on y a là pas moi-même pas là me porte presse c'est un porte presse si mon relé me dit me mettre maintenant route là me très content me là me très fier pour là et pendant là me dit 40 je m'étais passé l'huile qu'on y a c'est l'alpha là nous était et me senti me très fier parce que nous vinn gain route qu'on y a nous pas gain route nous gain route moi-même travail qu'a fait là c'est un bel travail. Et sauf que moi aussi commencer moi au pour finir alors bah fin connait pour que ça au moins pas fini mais moi dans toute zone et la ville là yo fait tout droit yo et puis yo mettez asphalte yo mettez et 040 dans route là yo mettez l'huile ça sont un belle initiative que moi lié. Nous vraiment content nous même Karakoli parce que pour bel travail ça qu'a fait là sous gouvernement parce que nous pas de route boys là même parce que Jean route l'antéan c'est un problème actuellement là même qu'il pas fini net mais nous sentons nous satisfaits nous même là en zone là jeune zone là ni grand monde dans zone là tout et nous après remercier gouvernement pour bel travail là. Karakoli Risterlin François le docteur Raphaël il est gagné avec Boiron Tonnerre. C'est quelques parmi plus passé une vingtaine d'autres qui déjà subi gros travail dans quatre caravanes changement. Dans le cadre du programme Caravane Changement, ministère Travaux Publics, Transport et Communication, démarré depuis des mois, travail construction route Malpass avec fonds parisiens. Direction départementale Ouest, Travaux Publics mobilisé plusieurs matériels, cap travail la journée ou la nuit, dans l'idée pour finir à construction ça. Directeur départemental Ouest, TPTCA Indigène, lui expliquait, c'est 9,7 km route sorti Malpass pour arriver Gatier, y a fait. Nous extrait dans le micro Saint-Croix-Paki avec Wilson Ido. La caravane a marché très bien, pas extrêmement bien, mais très, très bien dans le département. Parce que vous êtes capable de remarquer hier soir, nous étions mal passés. Il était minuit, nous avons passé le premier camion à OBA. On a passé 14 camions que nous finissons vers 5h du matin. Parce que quand on est mal passé, son côté qui est difficile, ces frontières-là, relations qui sont en Haïti, République dominicaine, toute transaction commerciale qui a fait dans la zone, ça a fait nous pas capable de travailler n'importe qui l'est et n'importe qui joue. Donc, mal passé-là, c'est un chantier qui est d'extrêmement importance. C'est à l'aide d'une visite que je vais faire avec le ministre de la République, l'ingénieur Fritz Caillot, avec le directeur général Maxandre Vilma, l'ennemi derrière, on a regardé l'état de la zone. On a ministre a décidé que rapidement il faut que nous commencions et travailler. Mais nous avons 2 mois depuis nous commencer à travailler mal passé là. À cause de la claque qui a remonté à chaque fois, nous sommes obligés de faire des traitements spéciaux. Par exemple, nous sommes surélevés ou là. Si tu as passé dans la République dominicaine, nous parlons de Jumani, ou après préparé bien bas. Et nous-mêmes, vu que le problème environnement nous connaît dans la zone, nous avons décidé que nous ne pouvons pas mettre par nous à même hauteur que par nous, nous surélevons par nous. Or, imaginons, nous faisons près de 5 km après profiler là. Et de côté, nous surélevons route là n'importe 2,50 m. Il y a des jours nous avons 5 camions, chaque camion a 23 voyages remblés. Et le fait que si nous pouvons rembler à pas loin, et donc ce sont des travaux extrêmement importants et difficiles tout parce que là on fait 2 mois, c'est 2 mois nous fait sans camper. Donc nous on reprofile 5 km déjà, bien que c'est 9,7 km nous avons pour nous faire 2 mal passe pour arriver à fonds parisien, pour en fait quitter parisien pour aller sur Gantier côté. Le premier travail que tu as fait sur le président Matéliou est arrivé à 9,7 km. Donc nous avons profilé 5 km déjà. Et nous avons mis en actuellement, comme on est capable de le soir, tout le temps, minuit, 1h du matin, où tu es là, où tu as filmé pour nous, où tu as accompagné nous, nous avons mis en obé sur lui. L'autre dossier, membre commission travaux publics et transports Sénat rencontré mardi 13 novembre avec PDG Digicel Haïti à Mardin Bout sous problème toute qualité compagnie téléphonie mobile ça a fait face. Membre commission a promet pour travailler dans niveau qui concerne yo pour aider résoudre problème ça yo. Commission a prévoit rencontrer responsable Conseil national télécommunication à Konatel pour discuter sous question ça. Nous extrait dans micro Fednia confident avec Moïse Wilbridge. Nous, là, je dis, c'est parce que le mauvais fonctionnement de la communication en Haïti a un pile problème. Et au niveau de Natcom, au niveau de Digicel. C'est pour cela, je dis, nous sommes pris en charge pour nous inviter PDG Digicel pour nous connaître qui ça a fait, pour qui c'est raison problème, qui tout problème ça a. Et nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous mettre Konatel ensemble avec
Dizisel Chita pour nous qui jeune ka résoudre premièrement dans problème moun k'ap couper fibre optique yo dans problème interférence yo. Dizisel pose un problème de licence. Discussion au niveau des prix, il pose un problème de la justice parce que justice là pour lui-même n'est pas fait travailler, les problèmes de sécurité. Bon, on comprend aussi la grande stabilité qu'on a. Pour au moins en dans pays hein, parce qu'on connaît sans la stabilité business pas qu'à marcher j'ai un peu marché justice t'as pas qu'à travailler dans le travail sécurité pas bail donc nous poser tout problème ça moi-même moi t'ai dit c'est une version des faits parce que moun qui pour régulariser c'est Konatel donc nous allons inviter Konatel pour les nous fin de Konatel et dit pour nous qu'on chita ensemble pour nous voir comment nous capable résoudre problème parce que là en bout de ligne c'est la population c'est le service qui mal fait et il dit nous oui dit celle capable moderniser avec 4GA mais cependant faut gagner licence et Konatel il pas qu'à faire sans licence. PDG compagnie Digicel Haïti à Martin Bout confirmé depuis mois février dernier compagnie a fait face à toute qualité problème tankou sabotage dans différents sites côté loger antenne sous 1600 antennes presque 60 gain difficulté chaque jour en pile fois problème insécurité a empêché technicien compagnie aller sous site yo pour résoudre problème nan Martin Bout dit fait demande depuis des l'année bon côté conseil national télécommunication pour joindre licence pour technologie à 4GA Yopoko approuvé. Toujours un micro Fednir Confident avec Moïse Ulbrich. Depuis le mois de février, nous avons des interférences importantes sur les fréquences de la Digicel. Cela se présente à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, dans différentes zones du pays. Donc ce n'est pas seulement un problème port-au-princien, c'est un problème national. Le deuxième problème qui devient de plus en plus important, surtout avec l'insécurité qui s'installe dans le pays, c'est les problèmes récurrents de coupures de câbles, de vols de carburant, de vols de batterie, de vols même de Delco, tout genre de vandalisme et de vols sur les sites de nos installations. Cela s'aggrave par des cas de raquettage, par des gangs, par des communautés dans certaines zones qui bloquent l'accès à nos ingénieurs pour arriver sur des sites. Il faut savoir que la Digicel a 1600 antennes dans le pays. En moyenne par jour, on a entre 60 et 70 antennes qui sont bloquées, qui sont à l'arrêt pour une raison diverse, que ce soit le vol de carburant, coupure de fibre, blocage par la population. Ça s'aggrave récemment parce que la justice est en grève. Donc on a eu des cas où des juges ont posé des scellés sur des sites, que c'est des sites qui sont bloqués depuis plus d'un mois. Donc il y a des communautés qui n'ont pas d'accès à la communication depuis plus d'un mois. Ça se fait surtout en dehors de Port-au-Prince. Et tout ça vient s'aggraver par le fait que depuis 2 ans, nous aurons dû moderniser les réseaux, nous aurons dû investir dans une nouvelle technologie qui s'appelle le 4G LTE. Nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le prix de cette licence avec le Konatel. Donc je pense que c'est utile que le Sénat ou la commission TVT s'en mêle également pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de faire avancer ces discussions. Parce que dès que cette discussion est clôturée, la Digicel va investir massivement dans le pays. Ce qu'on avait fait à l'époque pour le 2G, pour amener le GSM, maintenant on veut le faire pour le data. On veut amener le 4G LTE partout dans toutes les villes de province à travers le pays et le 3G, de la nouvelle version du 3G dans tous les autres côtés du pays. Réseau associatif national pour intégration moun handicapé RANIF rencontré la presse mardi 13 novembre l'an dans bureau intégration moun handicapé sous Nazon. Rencontre ça c'est pour inviter leader organisation et population en général signer une pétition sous éducation pour tout moun. Secrétaire général national RANIF l'an Rosemani Le Gout fait qu'on est pétition ça gagnent ensemble revendication en faveur éducation pour tout moun l'an. Li expliquer objectif yo c'est atteindre 500 pour PPT et puis continuer faire suite légale bon côté parlementaire. Nous invitons à suivre. Aujourd'hui, c'est une rencontre qui a un objectif pour signer une pétition relative à l'éducation inclusive de tout le monde qui vit avec handicap. Nous avons fait invitation particulièrement des responsables d'associations et institutions œuvrant dans le domaine du handicap. En fait, pétition, ça, c'est une pétition qui vient ensemble de recommandations qui fait l'étape pour que nous sommes capables d'arriver, atterrir dans la question éducation inclusive.
Nous-mêmes, étant qu'une institution qui travaille sur le terrain, nous avons une nécessité qui gagne pour que l'école haïtienne ait un aspect inclusif. Là, nous avons regardé quand il y a des petits gens qui ont un handicap, qui ont des difficultés pour intégrer l'école. C'est pour ça que nous organisons une rencontre, ça, pour nous lancer une pétition, ça, pour nous crier bien fort dans les oreilles de l'État, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, pour prendre des mesures pour garantir éducation inclusive tout le monde qui a vu avec handicap. Nous avons commencé à signer une pétition et nous avons une ligne disponible et la disponible ici dans le bureau dans cette inclusion que nous-mêmes nous capables d'inviter le monde à passer et signer en fait pétition. Ça. Dossier santé Fondation Haïtien Diabète ak maladie cardiovasculaire Fadimac nan occasion Journée mondiale diabète 14 novembre a organisé diverses activités pour sensibiliser population an sous problème diabète nan pays a. Le diabète et la famille, c'est thème qui kembe amé ça pour célébrer journée an. Ki sa diabète la ye, sa ki la cause li, signe ak symptôme li, Rachel Saint-Fort ak Henri Robert Chéri. D'après président Fadimac la, Dr. René Chol, maladie sick sont maladies qui très fréquentes, chroniques et qui incurables. Il y a plusieurs types de diabète, même Jacques grand monde qui moun ka fè sick. Il y a deux types de diabète. Ici, les symptômes. Quand il y a des moun qui fè sick, les pipi en pile, les boîtes de l'eau en pile, les gangou tout le temps. Et malgré tout, la maigri tout le temps, les faibles. Ni envie de dormir tout le temps, jusqu'à ce que le cabine tombe en coma. Chez les enfants, pas gagnant. Parce que le pancréas est détruit, la cellule ça est détruit, donc le pancréas n'est pas capable de faire l'insuline, donc le sucre continue à monter, monter. C'est peut-être ça. Seul traitement, c'est piquer l'insuline, parce que pas l'insuline non comprimé. Sont piqués seulement. D'après Dr. René Chol, grand monde qui fait diabète capable présenter même signe à tout monde qui fait. Il explique souvent yo obèse. Il y a un autre type de diabète que le type 2 qu'on rencontre chez les adultes de plus de 40 ans pour représenter 90% des cas. Je ne compte pas pipi en pile, je ne compte pas boire de l'en pile, je ne compte pas maigrir. Au contraire, souvent ce sont des obèses. Vous avez une autre complication, par exemple, ou dame bien enceinte, et puis la PD fait avortement. Ou bien, ou garçon alcaï urologue, parce qu'il a un problème sexuel, et puis là, ça, c'est sucre en capacité. Puis loin, spécialiste a expliqué, maladie sexe, s'il pas contrôlé, qu'à la cause complication qui a un problème dans le chien, rein, cœur, cerveau, et pied. L'homme, on fait sucre. Ou bien, complication de la tête aux pieds. Si vous pas bien contrôlé, quelles sont les complications? C'est-à-dire, au monde qui fait sucre, en général, vous faites hypertension tout, et puis, souvent, artérieux, sur les vulgairement, tuyaux qui vous est sang dans tout le corps. Artérieux, vous êtes rétréci, vous êtes dû, et puis, vous êtes accident cérébral, ou bien accident cardiaque, ou bien, circulation sans câble parfaite en pierre. Donc, ce sont les atteintes des artères. Deuxièmement, les atteintes des yeux. Le sucre n'est pas bien contrôlé. Yeux à pas attaquer. Ou même 44% des diabétiques ne sont pas contrôlés, bien contrôlés, ils ont un problème dans les yeux. Autre complication, complication rénale. Il y a deux organes qu'on appelle de l'abdomen. C'est eux-mêmes qui filtrent l'urine. C'est eux-mêmes qui empêchent tout déchet organique de l'ensemble, mais qui vous dans l'urine. Mais leur organe, ça n'a pas marché bien. On n'a pas qu'à pipi bien. Tout déchet encore rété dans l'ensemble. Et seule façon pour soigner, c'est par dialyse. Nous tendez tout le temps à parler de dialyse. Dialyse, c'est appareil qui peut laver sang, mais traitement au moins 3 fois par semaine et ça coûte cher. Docteur a précisé qu'il y a plusieurs raisons qui causent le monde fait sick.
Les faits qu'on ait diabète plus fréquent dans le pays en voie de développement. Yo. Il y a eu ce changement de style de vie, changement d'alimentation. Au lieu de manger feuilles, de manger fruits, il y a tombé dans la partie cordée, il y a tombé dans la bonne baisse, ça n'est pas bon pour nous. Ça, graisse, fritaille, favoriser l'apparition du diabète. Selon données, le diabète affecté 14% femmes et 8% garçons entre 35 à 64 l'année dans le pays d'Haïti. Plus passer moitié dans le monde sa yo pas au courant et puis moins passer 1% de monde qui diagnostiqué comme monde qui fait sick à suivre un traitement. Docteur René fait connait un diagnostic avec un traitement précoce important pour retarder, prévenir complications et puis joindre résultat. Dans ce sens, il invite chaque citoyen à faire dépistage pour petit une fois par an. Merci Rachel et Henri. Après une courte pause, pas déplacé, n'a pas tourné. Dans le sport, sous plan local, ministre Jeunesse et Sport et Action Civique, la maître Edwin Charles, présenté bilan administration dans tête institution, mardi 13 novembre 2018, là, dans le local, sous route frais. À l'étranger, tennis, Roger Federer remporté première victoire dans Master de Londres, yo, face à Dominique Thiem, 2-7 à 0, mardi 13 novembre, là. Nous invitons à suivre. Ministre Jeunesse et Sport et Action Civique là, M. Edwin Charles, rencontré la presse journée mardi 13 novembre 2018 là, dans l'annexe ministère Outre-Frais. Rencontre là, c'est l'occasion pour numéro 1 MJ Sakla faire un bilan sur le travail qui est déjà réalisé depuis environ 2 mois, il est installé dans tête ministère Sport PIA. Il était profité pour annoncer l'ouverture jusqu'au Léo Anissa pour fin mois novembre là. Juste ça, habitants sur tout le pays, a fait dans diverses disciplines sportives, tant que football, handball, basketball, athlétisme, volleyball, jeu de damas et échecs. Nous, t'es allé dans le parc Jean-Marie Vincent tout. Côté que la présidence gagne un projet spécifiquement pour lui. Nous, t'es allé dans le parc Anglade, au niveau de Tigouave. Grand Gouave, n'allait dans le parc Féus, n'allait dans le parc Gérard Christophe, n'allait dans le parc Saint-Jean-Grissier. Parce que dans le parc Saint-Jean-Grissier, il y a des gros problèmes. Parce que terrain fait une fête, et puis il y a un individu qui dit que c'est lui qui met le terrain ça. Et c'est lui-même qui a passé l'ordre, c'est lui-même qui le tirait avec l'autre équipe. Yo. Et finalement, tu es obligé d'intervenir pour nous mettre l'ordre dans des ordres. Côté que Kounia a la grande commission qui a géré PAC Saint-Jean-Andrissier et bah, entré dans la normalité. Nous estimons que jeunes ont senti qu'ils ont délaissé. Jeunes ont senti qu'ils ont abandonné. Et nous avons dit tête nous, et suivant feuille de route que le gouvernement Moïse a été banon. Et nous t'ai dit nous faut que nous engager nous très fond dans faire de route ça. Et c'est ainsi que avec la jeunesse nous commencer faire rapprochement yo pour nous voir comment nous capable faire jeune nous sentir que il y a un ministère qui a pensé pour nous. Parce que nous dit que faut que bagaille fait ton l'autre gens, faut que jeunesse a senti que il pas étranger dans pays li, mais pour le pas étranger dans pays li, faut que les décideurs, faut que les dirigeants capable rapprocher eux, venir joindre eux pour être capable sentir que eux pas abandonné. Voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli, nous remercions pour attention et fidélité. Restez sur TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.